Bonjour. Je dois d'abord vérifier que tous les communicants sont présents à la commande. Madame Zerjidiga est là. Madame Tuxio Kaya est là. Oui. Alors, je vais leur demander à faire la mesure, please. Les chercheurs en littérature, je porte le désir de demander la succession qui porte le titre de Jean Pierre de de mes collègues les chercheurs de l'Université de l'Université de Latin, Madame de Zotidiga de l'Université de Lisbonne, Madame Tetsio de l'Université de Lisbonne, Dr. Messus Hansen de l'UNS de Lisbonne. Ainsi que Mme Abdelhamid de l'Université de Béjet. Alors, nous allons avoir une question de Mme Abdelhamid de votre littérature et peut-être de votre réponse à l'Université de Paris. La thématique de textuelle, intertextuelle et éventuellement générique, qui constitue le texte de l'écrivain béninois. L'institut de la communication, l'institut imaginaire hybride, donc par-delà la lumière, quand la volée contient un pas. Donc, sans trop tarder, je vous passe la parole. Bonjour à tous. Ravi d'être parmi vous. Je tiens à remercier tous ceux qui ont participé à la tenue de cet événement scientifique et à sa réussite. Sans tarder, donc, je partage directement mon écran pour que vous puissiez me suivre. Une seconde. Voilà. Partager. Je ne comprends pas. Voilà, le voici. Normalement, c'est par ici. Partager. Est-ce que ça s'affiche? Non. Ça ne s'affiche pas? C'est bon. Ça marche, madame. Une seconde, parce que ça ne s'affiche pas chez moi. C'est bon. Non. Un problème avec sa bande passante. Ça s'affiche? Je vous invite à... Une seconde, parce que... Voilà. C'est le titre? En fait, je vous entends très mal, hein, monsieur le modérateur. Je vous entends très mal. En tout cas... dans le cadre limité de mon intervention, donc, j'ai choisi d'analyser un roman de Kolawole Kontan Akpaki intitulé « Par-delà la lumière ». Il s'agit du premier roman de l'auteur. Je commencerai par une brève présentation de l'auteur car il est méconnu. Notre corpus et d'autres ouvrages marquent ses premiers pas dans l'univers de la littérature francophone et notamment celui de la littérature africaine. Une seconde pour que je puisse afficher l'introduction. Kolawole Kontan Akpaki est donc un jeune écrivain béninois que nous avons eu le plaisir d'accueillir à l'Université Batna 2 où il décroche une licence en lettres et langues françaises. Il reçoit ensuite une bourse d'excellence française lui permettant de poursuivre ses études en lettres modernes à l'Université de Bourgogne-Franche-Comté.
auteur de plusieurs ouvrages, précisément deux nouvelles, Ayaba, le fruit de nos actes, et son premier roman, Par-delà la lumière. Elle est également présidente fondateur des éditions de Viruko, une maison d'édition béninoise spécialisée dans l'édition au format électronique et au papier d'œuvres littéraires. Écrivain éditeur Koloué Quentin Akpaki compte bientôt se lancer dans la production et la réalisation de films et de séries de science-fiction purement africains. J'affiche la problématique. Notre réflexion autour de l'œuvre d'Akpaki, tenterait de répondre à cette question. Comment se manifeste l'imaginaire hybride dans Par-delà la lumière de Koloué Quentin Akpaki? Je voudrais d'abord préciser que la notion d'hybridité sera abordée dans le cadre de cette intervention dans le sens de variété et de métissage textuel et culturel. Le premier élément dans l'hybridité intratextuelle, Par-delà la lumière est donc hybride par sa diversité dans le choix de certains constituants d'ordre d'une part narratif, à savoir le ton, l'espace et les personnages, et de l'autre genre logique par le biais de l'éclatement des genres. Le roman se donne à lire dès l'incipit comme un roman réaliste. En effet, il s'agit d'un début de récit vraisemblable, description de maisons, d'auberges, etc. Là, je cite, « Loin, très loin, j'ai aperçu des maisons d'une petite ville reposant à la lueur de quelques réverbères. Elles étaient d'une blancheur telle qu'elles ne pouvaient pas passer inaperçues. J'y voulais avancer un peu plus, mais quelque chose d'insurmontable m'en empêchait. Je n'avais aucune idée sur cet endroit où je m'apprêtais à me rendre, et encore moins sur ce qui pouvait m'y attendre. J'ai regardé autour de moi avec une certaine frénésie. J'ai identifié l'enseigne d'une auberge. » Néanmoins, sa description d'une ville inconnue n'assouvit pas la curiosité du lecteur, mais le plonge davantage dans le flou. Le protagoniste, se réveillant dans un endroit qui ne lui semble pas familier, n'arrive pas à retrouver ses repères spatiaux. L'auteur prépare ainsi le lecteur à un saut vers l'inconnu et pourquoi pas vers le fantastique. Ainsi, le flou s'installe dès l'incipit du livre où l'on découvre un protagoniste qui, en allant au-delà d'une lumière intense, se retrouve non seulement dans un lieu mystérieux, mais aussi dans un temps indéfini. Je cite... Alors que j'irai dans les tréfonds d'un sinistre tunnel, une éclatante lumière blanche jaillit inopinément, a attiré mon attention, lentement semble-t-il, sous l'influence d'une force inconnue à laquelle je ne pouvais offrir la moindre résistance. J'ai dirigé mes pas vers elle et, sans aucune crainte, je l'ai franchie. Par-delà un intense rideau de lumière, je me suis retrouvée au milieu de nulle part. En ces lieux, tout sombrait déjà dans les plus épaisses ténèbres d'une nuit froide. Pas une ombre, pas un seul être humain. J'étais seule, je ne sais où, à la merci d'une nuit noire. Fin de la citation. L'espace-temps fait en effet un saut dans un monde imaginaire où on découvre une case hantée, une ville appelée la Cité des Lumières, habitée par les Inian et les Zarabara, une description d'endroits féeriques et enchantés. À l'instar du temps et de l'espace, ancré dans un univers mi-réaliste, mi-fantastique, les personnages valident également le choix de l'auteur qui a opté pour un métissage, entre les personnages issus d'une réalité vraisemblable, comme le protagoniste qui est un jeune écrivain, les médecins, les amis, etc., à ceux issus d'un univers fantastique semblable à celui des contes, comme les personnages Azura, l'ange maléfique, les magiciens, etc. La spécificité hybride de ces différents constituants narratifs et textuels oriente la lecture de ce roman vers la réflexion sur la notion de l'éclatement des genres. Une grande partie du roman peint effectivement l'univers fantastique où le protagoniste est contraint de relever plusieurs défis. L'auteur y réunit tous les éléments caractérisant le conte. Ce choix serait tributaire de la volonté affichée de l'auteur de rendre par écrit, encore plus vivace la tradition orale. Ou cela ne serait-il qu'un espace romanesque reflétant astucieusement, la face cachée de l'enfant qui sommeille en nous tous et qui surgit au moment d'un traumatisme? Faut-il rappeler également que le protagoniste, ayant subi une mort imminente, se projette dans un monde magique, à l'image de celui de Peter Pan? De par ce choix, l'auteur nous invite à réfléchir sur les possibles évasions de l'esprit et à repousser les limites de son imagination pour multiplier les fins interprétatives du roman. L'itinéraire sinueux, est parsemé de dangers parcourus par le protagoniste dont la trame narrative nous fait aussi penser au purgatoire, ce lieu de purification des âmes cherchant le salut après la mort. Cet aspect religieux est davantage confirmé par le narrateur qui exprime son désir de voir Dieu apparaître dans les plis de son monde intrigant.
L'auteur nous invite également à lire Par-delà la lumière comme une autofiction, et cela en glissant furtivement son vrai patronyme, Colaoulé, dans la trame narrative. Je cite, je défile. Là, en fait, c'est le personnage, l'ange maléfique, qui s'adresse au narrateur, au personnage narrateur. « Votre prénom me rappelle mon meilleur ami », m'a dit l'homme avec une voix qui est frémissée de tristesse. « Il portait le même nom que vous, Colaoulé. C'est fou comme il me manque. Il était comme un frère pour moi. » Ce choix d'une affirmation de la triple identité serait-il un gage infaillible de diriger la lecture dans ce sens? Je défile pour que je puisse passer au deuxième élément. Deuxième élément, donc intertexte et plurivocalité. Par-delà la lumière est un texte qui se donne à lire comme un assemblage de fragments textuels à la croisée d'une panoplie de genres. Ce mélange de genres crée également des connexions intertextuelles ramassant les débris de lecture faits par le passé, oubliés ou récupérés, attestant d'une nostalgie d'ivresse que l'auteur ne peut que légèrement camoufler. Psychanalyse, mythologie, légende, musique, poésie, en voici les champs de réflexion auxquels appartiennent toutes les voix qui résonnent sans cesse dans ce texte. Nous citerons donc, dans le cadre limité de cette intervention, quelques intertextes qui ont marqué le texte d'Akpaki. D'abord, la référence à la mythologie grecque est omniprésente dans le roman. Commençant par l'errance du protagoniste Kédé Linkipit fait allusion à celle d'Ulysse. Voilà, c'est affiché. Je cite, alors que j'errais dans le tréfonds d'un sinistre tunnel, une éclatante lumière blanche jaillit inopinément à attirer mon attention. Ensuite, le personnage Azura, qui est une créature mi-humaine et mi-animale, faisant allusion au Minotaure dans la mythologie grecque. L'auteur l'a décrit ainsi dans son texte. Je cite, vous avez la citation affichée. Azura, cette créature mi-humaine, mi-animale dans mon livre, Aya Balafibani, était là, devant moi, debout sur ses sabots. Ma parole, elle était encore plus affreuse et plus terrifiante que dans mon imagination. Elle me fixait méchamment, comme si elle cherchait à me faire du mal. Et en vérité, je pense qu'elle me le faisait. Avec une passion parvenue à un degré d'extrême fureur, Azura m'a lancé. Maomua Gaba Trelati Zoro. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé, parce que c'est le dialecte béninois. Le personnage Azura crié par le protagoniste, qui est lui-même écrivain car il est issu de sa nouvelle Aya Balafibani. Nous notons ici donc une forme d'intratextualité. En outre, ce détail ne serait-il pas un clin d'œil complice de la part de l'auteur pour exprimer une invitation inavouée au lecteur pour qu'il prospecte dans son vécu vrai d'autres pans présents absents de sa propre histoire relatée dans ce roman? Par ailleurs, le lien qu'entretient le personnage narrateur avec Azura, un personnage qui s'affirme dans le texte et qui semble échapper à son propre créateur, nous fait penser à Autoportrait avec Grenade de Salim Bashi. Je cite, je défile. Je ne sais pas si c'est la bonne citation s'affiche ou non. Oh, apparemment, oui. Voilà, c'est celle-ci. Voulez-vous dire que vous n'êtes pas content, là c'est le personnage Azura qui s'adresse au protagoniste. Voulez-vous dire que vous n'êtes pas content de me voir, m'a-t-il demandé. Je n'y crois pas. Pourquoi ne seriez-vous pas content de voir enfin cette chose que vous avez vous-même créée? Je n'étais rien, mais avec votre plume et votre imagination, vous avez fait de rien quelque chose. Et ce quelque chose, vous avez jugé bon de le marquer du sceau de la malédiction. Comme si cela ne vous suffisait pas, vous avez tenté de lui reprendre l'existence. N'est-ce pas bon d'être mort? Je vous le demande, n'est-ce pas bon de cesser d'exister? D'ailleurs, le personnage narrateur réfléchit à son acte de création, à son personnage en papier qui prend vie et le défie. En écrivant Ayaba Lafibani, je ne lui avais pas donné ce caractère. Serait-ce par oubli ou bien par manque d'inspiration? Ou peut-être par crainte d'effrayer le lecteur? Ma foi, je l'ignore.
Comme il s'agit dans ce roman d'une écriture de soi, la référence au discours psychanalytique est fortement présente par l'invocation de la figure phare de la psychanalyste Freud, qui est, c'est un personnage dans ce roman qui déambule librement dans le texte, dont le dessin d'élucider le discours, le discours délirant du protagoniste en lui proposant des portes de sortie. Je cite, je défile. Voilà. Tu te trompes, mon garçon, m'a dit Freud. Tes yeux sont encore et toujours bien fermés. Certes, toute la nuit, tu n'as pas dormi, mais il n'y a pas longtemps, tu es entré dans ce qu'on appelle la phase du sommeil paradoxal. Et en ce moment où je te parle, ton cerveau fonctionne comme s'il était réveillé. Le discours psychanalytique se donne à lire également par l'emploi récurrent d'expressions en dialecte béninois, ce qu'on appelle le Yoruba, langue maternelle de l'auteur. Une association dissimulée se crée donc entre ce dialecte sous-jacent à la notion de relique et le personnage Freud. Le narrateur récupère-t-il ainsi la mère absente au travers de ce dialecte ou accentue-t-il encore plus sa présence ? La figure maternelle sera d'ailleurs très présente dans la deuxième partie du roman, étant donné que sa voix permettra au protagoniste de réaliser le retour par-delà la lumière. L'auteur intègre aussi dans son texte des poèmes sans citer leur auteur pour ainsi créer une complicité avec son lecteur, comme dans le cas du poème Armand Sylvestre. En fait, il s'affiche devant vous. C'est un poème qui est destiné à être chanté. Je pense que je ne vais pas le lire pour ne pas perdre du temps. Il insère également dans son texte des textes de chansons comme celle de La mère et l'enfant de Céline Dion. Une autre voix qui résonne dans le texte et qui fonctionne comme une toile de fond au texte est celle de la réflexion sur l'au-delà, qui se croise avec toutes les réflexions sociales, anthropologiques et déontologiques faites à ce sujet. Ce thème apparaît dès le titre, par-delà la lumière, qui enveloppe beaucoup de mystères, car le lecteur ne peut découvrir qu'à la lecture du roman que l'invitation d'aller par-delà la lumière se fait en deux temps différents. D'abord du monde réel vers l'inconnu, puis vice-versa. La réflexion sur le passage vers l'au-delà demeure ainsi une préoccupation éternelle et majeure de l'esprit humain et son importance est attestée par le grand nombre d'écrivains qui se sont attelés à l'approfondir. Or, l'apport de l'auteur de ce présent roman réside dans la manière dont il l'a approché. Il a pu mettre ce thème sous le crible de plusieurs filtres qui sont essentiellement psychologiques, affectifs et culturels. L'auteur nous y invite à repenser notre logique et à nous ouvrir sur les possibilités que pourrait offrir l'esprit et à nous interroger surtout sur son pouvoir de créativité. L'au-delà, dans ce sens, ne serait-il pas seulement la création de notre esprit ? Un cauchemar ou un beau rêve ne serait-il pas déterminé et ancré profondément dans notre esprit qu'en fonction de notre vécu et nos croyances ? Donc, cela ne constitue-t-il pas un point d'originalité sans contexte, car pour réunir dans le même texte des genres qui se télescopent, mais qui ne cohabitent pas nécessairement, l'auteur sera certainement un lecteur averti avant qu'il ne soit scripteur avéré. En guise de conclusion, je dirais qu'il s'agit, par-delà la lumière, s'agit d'un texte qui procure quelques moments de plaisir, mais beaucoup d'autres de réflexion, destiné à un public qui se veut hétéroclite. Et par-delà la lumière, donc, s'invite à être lu tour à tour par des lecteurs érudits et des lecteurs non avertis. Merci de votre attention. Je reste attentive à toutes vos remarques. Donc, à vous la parole, monsieur. Merci. Merci, docteur. Je vous remercie pour votre intervention brillante que nous avons suivie avec beaucoup d'intérêt. Notre deuxième intervention sur la poétique de l'imaginaire. Il est question dans cette intervention de la psychologie de l'Union européenne. Même plus l'exemple de la communication est en politique de l'imaginaire dans les hommes, et je dois tout apprendre de manière comparable. L'imaginaire des lieux, c'est une partie qui est particulièrement intéressante, au vu des multiples images pour qu'elle renvoie le corpus sur lequel elle a travaillé. Madame de Serge-Tigal de l'Université de Genève, va nous présenter la thématique en question. Je vous en prie, madame. Je vous prie de bien vouloir réactiver le micro, s'il vous plaît, parce qu'on ne vous entend pas. Non.
lui demander d'aller sur la barre latérale en haut. Il faudrait aller sur la barre latérale en haut. Et de donner l'autorisation à votre bureau pour que le sang puisse passer. Et donner l'autorisation au bureau pour que le sang puisse passer. Là où il y a la canne. Le canin. En haut. Sur quoi? Ça marche. Vous m'entendez? D'accord, très bien. Merci, Ilham. Alors, merci beaucoup. Rebonjour à tous. C'est Madame Zohdjiga de Béjaïa, pas de Djilfa, de Béjaïa. Très bien. Alors, sans plus tarder, ma communication qui s'intitule « Poétique de l'imaginaire dans mes hommes et je dois toi ton oubli » de Melika Mouktem, lieu imaginaire ou imaginaire des lieux. Cette communication, donc, cette contribution se porte sur les valeurs imaginaires et symboliques de l'espace des 10 romans de l'écrivaine Melika Mouktem. Souvent qualifiée comme une écriture de l'entre-deux, les romans de cette écrivaine traduisent sa double appartenance franco-algérienne. Donc, rappelons que Melika Mouktem est née au désert algérien, à Kenatsa, à la région de Béchar, c'est pour justement évoquer l'espace du désert dans ses écrits, cet espace qui est omniprésent. Donc, les espaces en général chez Melika Mouktem, comme le désert, ne sont plus des éléments de décor, mais ils abritent de diverses dimensions. Ils deviennent des espaces de l'imaginaire, des espaces mythiques et des espaces symboliques. Les 10 espaces endossent également la recherche de soi des héroïnes, souvent juxtaposées à d'autres quêtes. Une quête mémoriale à travers le souvenir, une quête généalogique en racontant le récit, une quête généalogique en racontant le récit, excusez-moi, de ces aïeux nomades, une quête linguistique et identitaire en introduisant le style oral et une quête enfin individuelle en s'abandonnant à la rêverie et à l'imaginaire. Excusez-moi, je vais partager mon écran, chose que j'ai oubliée. Alors, partager l'écran. Ça marche? Ça marche. Très bien. Très bien. Merci beaucoup. Et donc, je rappelle que le roman Mes Hommes de Melika Mouktem, publié en 2005, est un roman autobiographique. Dans ce roman, l'écrivaine donc met en jeu de vastes problèmes comme ceux de la mémoire et de l'auto-analyse. Oser le jeu le plus profond et fureter dans sa mémoire est l'une des caractéristiques de l'écriture de soi de Melika Mouktem. Ce qui nous apostrophe dans ce roman est bien la fin qui marque un dénouement pertinent, où l'héroïne s'abandonne à l'imagination et réinvente ainsi son passé, en mêlant des éléments du réel à l'affection. Par ailleurs, dans son roman « Je dois tout à ton oubli » publié en 2008, la romancière tente de dévoiler l'indicible à travers la reconstitution mémorielle de l'héroïne. Son amnésie implique au final la mémoire collective. Notre problématique donc s'articule autour de trois questions.
Au sein d'une écriture vacillant entre référentialité et imagination, comment Melika Mokdem construit-elle sa propre poétique de l'imaginaire ? Entre quête de soi et libération, comment les valeurs symboliques des espaces contribuent-elles à accéder à l'intériorité des personnages ? Et enfin, existe-t-il une relation entre l'espace géographique et l'espace intériorisé ? Et donc, cette communication est constituée de trois parties. Nous tenterons dans un premier temps de cerner les valeurs imaginaires et symboliques de deux espaces dominants dans les romans de Mokdem, à savoir la mer ou la Méditerranée et le désert. Il sera question ensuite de voir de plus près la relation entre l'espace géographique et l'espace intérieur. Dans la dernière partie, nous mettons en exergue l'imperceptibilité l'imperceptibilité des lisières entre le réel et le fictionnel dans le récit. La première partie qui s'intitule « Désert et mer, valeurs intimes et imaginaire symbolique de deux immensités ». Donc, le désert est d'abord un lieu de rêverie, puis un espace d'étouffement. Il est donc similaire à l'intériorité des héroïnes. Le désert est annexé à l'espace du dedans. Chez Melika Mokdem, le désert ne correspond pas à une intimité vide, mais il correspond à une intériorité pleine, voire submergée de sentiments différents et paradoxaux. Nous commencerons donc par le premier roman. Dans mes hommes, le désert se revêt simultanément de deux symboliques. C'est un lieu d'incarcération, car les traditions et l'étouffement familial enferment Melika et toutes les femmes du désert en les privant de leur liberté. Néanmoins, les vastes oraisons offrent un espace pour les rêves, du moins pour la petite Melika, qui lui déverrouille sans fil conducteur vers la quête de liberté. Donc, je propose ici un extrait de ce roman. Je grimpe au haut de la dune pour me réfugier dans la solitude de son sommet, afin de fuir la fièvre permanente de la maison. Là-haut, je n'échappe pas seulement à l'étouffement familial, les paysages déployés par l'imagination éclipsent le vide hypnotique des oraisons, je peins dans ma tête avec des couleurs, des pensées extravagantes. Donc, clairement, dans cet extrait, l'écrivaine évoque l'imagination à travers certaines expressions et certains termes, comme je peins dans ma tête avec des couleurs, des pensées extravagantes, ce qui évoque l'imagination. Et donc, c'est justement là-bas, sur la dune qu'a débuté sa quête de soi et celle du savoir, pour en finir avec celle de la liberté. Elle arrive à scruter cet horizon seulement à travers ses rêves et au milieu de cet espace de perdition, elle trace ses objectifs capitaux qui sont la poursuite des études et la conquête de la liberté. Et par ailleurs, dans son roman « Je dois tout à ton oubli », la représentation du désert confirme à nouveau qu'il s'agit d'un espace de prédilection. Et donc, dans ce roman, l'écrivaine traite des terrains bien particuliers, comme la relation de l'héroïne avec sa mère, qui est souvent une relation conflictuelle. À l'origine de ce conflit, il se trouve ou il se cache un événement vécu au désert. Il s'agit d'un infanticide commis par sa mère. Cette scène fulgurante a tourmenté Selma. Cette scène donc est appareillée d'une manière consubstantielle au désert. La petite Selma qui a assisté à cet infanticide a commencé à fuguer après cet événement. Son refuge est la dune. Excusez-moi, je vais essayer de défiler. Et donc, oui, je propose ici des citations tirées du roman, comme « Depuis
Ce meurtre, Selma s'était mise à fuguer. Elle filait en douce, échappait ainsi à l'épouvantable sensation d'étouffement. La scène d'étouffement s'est effacée dans sa mémoire, gommée par le vent, par le sable. Le désert, donc, il est évoqué ici par le vent de sable. Et donc, excusez-moi. Mais le désert, donc, reste pour elle un espace, un lieu des terreurs, plus que son havre. Et donc, en revanche, d'un autre côté, la mer ou la Méditerranée est souvent synonyme de contemplation et d'apaisement. Après ce qu'elles ont vécu au désert, les héroïnes de ces deux romans ont retrouvé un second refuge plus conciliant et plus clément. Dans le roman « Mes hommes », nous retrouvons plusieurs passages qui opposent la mer au désert, comme le passage suivant. J'ai découvert la mer seulement quand je suis arrivée à Oran, à l'université. Je ne vais pas citer tout le passage pour ne pas perdre du temps. Et donc, à la fin du passage, elle dit, percée par son chant, « J'oubliais l'enfer du désert ». Donc, à nouveau, le désert est qualifié ici d'infernal, tandis que la mer, c'est un espace de soulagement et de cicatrisation après les supplices vécus au désert. Et donc, dès lors, la mer devient l'étendue favorite de Melika et de Selma, les héroïnes de Maison et de « Je dois tout à ton oubli ». Et de la même manière, elle décrit d'une manière très émotive la mer dont « Je dois tout à ton oubli ». Dans le passage que je propose ici, nous retrouvons plusieurs mots, plusieurs expressions qui relèvent du champ lexical de l'apaisement et de la quiétude, telles que ces effusions remplissent la solitude Selma, goût de plaisir, vive allure, plénitude, etc. C'est de cette manière que la mer et le désert coexistent, se mêlent et s'entrelacent dans les deux romans de Mokdem et se fusionnent en un seul espace de rapprochement et de réconciliation. Il s'agit d'un carrefour où se croisent les froissements de l'enfer et de l'enfermement pardon et de la liberté. Donc, nous passons tout de suite à la deuxième partie qui s'intitule « Entre distance géographique et distance intérieure, l'ici et l'ailleurs et l'entre-deux identitaire ». Pour rendre compte donc de l'imaginaire de la distance intérieure construit à partir de la distance géographique, nous nous référons aux propos de Daniel Bergès sur l'importance de la localisation. Ce dernier explique que la localisation coïncide souvent avec l'identité des êtres. En effet, la distance met les personnages, chacun dans sa perspective particulière par rapport au lieu où ils se trouvent, et particulièrement par rapport à leur intériorité. Les deux héroïnes, Melika et Selma, se trouvent souvent dans des espaces disjoints, vivant toutes les deux en France. Pourtant, la plus grande partie des actions dans le récit se déroule en Algérie, notamment au désert. L'espace intérieur des héroïnes est quasiment occupé par leurs souvenirs et leur identité et se détermine par les blessures liées toujours à cet espace-là, le désert. Ce qui sépare maintenant les héroïnes de leur pays d'origine, l'Algérie, et d'autres personnages notamment de leur famille, et d'abord un autre espace géographique et concret, qui est la Méditerranée. Cette distance est souvent exprimée dans les deux textes comme un éloignement par l'adverbe « là-bas ». Cet adverbe, d'ailleurs, qu'on retrouve souvent dans les textes de Melika Mokdem, qui n'est
presque pas séparé de son opposé, l'adverbe ici. Je vais juste défiler pour les passages. Et donc, oui, le passage que je propose, dont je dois toi ton oubli, est le suivant. Face à la mer, les yeux de Selma scrutent l'horizon. C'est là-bas, c'est encore chez elle. Un sourire vient aux lèvres à la pensée que sur quelques rives qu'elle se tient l'autre côté et encore à elle, c'est ici et là-bas. S'inverse pour lui délimiter son vrai territoire, cette mer. Cet extrait donc nous renvoie encore une fois, une seconde fois, au propos de Daniel Bergès quant au vacillement dans l'espace et à la localisation. En effet, en étant en France ou en Algérie, l'autre côté de la Méditerranée est un espace appartenant à l'héroïne. En fait, cette dernière s'approprie cet espace et devient ainsi une immensité intérieure. Gaston Bachelard, dans Poétique de l'espace, explique donc que l'intériorité du personnage et l'immensité géographique se confondent. Je cite, « Il semble alors que c'est par leur immensité que les deux espaces, l'espace de l'intimité et l'espace du monde, devient consonant. » Et donc, cette immensité se transforme d'un espace concret à une dimension intime. Cependant, l'éloignement est creusé davantage par d'autres éléments qui ne relèvent pas maintenant du concret, mais ils relèvent de l'abstrait, à savoir les relations conflictuelles engendrées par les interdits et les traditions sociales, ainsi que les traumatismes résultant des non-dits. Pour Malika Demey, dans le roman « Mes hommes », cette omerta remonte à l'enfance et demeure jusqu'à l'âge adulte. Elle en parle dans la première partie du roman et même dans la dernière. Les extraits que je propose ici, ils sont donc parsemés de mots renvoyant au silence et à la distance à la fois, comme ailleurs, un fossé, le gouffre, jamais dit, tout ce qui n'est pas dit, silence, mutisme, ainsi de suite. Le silence, donc, est associé à la distance. Autrement dit, ce mutisme, est approfondi à la fois par la distance géographique, ainsi, mais aussi par la distance intérieure qui est construite par les non-dits. Pareillement pour Selma, l'héroïne de « Je dois tout à ton oubli », le silence remonte également à l'enfance, à son éternel conflit avec sa mère. Nous avons dit tout à l'heure que l'origine de ce conflit se trouve à l'origine de ce conflit un infanticide commis par sa mère au désert. Donc, cet acte violent que Selma a enfoui dans sa mémoire l'a traumatisée. Pour elle, l'impact de cet incident a engendré son amnésie. Le surgissement plus tard de ce souvenir fut alors un nouvel ébranlement pour Selma. Cet oubli ne l'a pas reproché de sa mère, ni encore moins du désert. La distance avec ce dernier s'est déjà créée pendant son enfance. En fait, au moment où elle se rend compte de la passivité de cet espace que Selma commence déjà à s'en éloigner, c'est précisément cet espace-là que Georges Poulet, dans l'espace proustien, appelle la distance, qu'il définit comme suit. La distance, c'est l'espace, mais l'espace dépouillé de toute positivité, espace sans puissance, sans pouvoir, sans planification, de coordination et d'unification. C'est un espace figé où rien ne se passe, qui affecte par conséquent l'intériorité de l'être qui s'approprie à son tour et involontairement le vide ou le désert intérieur. La dernière partie qui s'intitule « Dépassement et brouillage spatial entre rêve, imagination et réalité » est
se porte particulièrement sur la dernière partie de l'autobiographie « Mes hommes » qui s'intitule « Le prochain amour ». Au début de cette partie, la romancière revient sur sa relation avec son père et l'absence de ce dernier dans sa vie. Ensuite, sur 5 pages environ, la romancière improvise son prochain amour sur des hommes qu'elle rencontre inopinément. Et donc, elle se pose plusieurs questions. J'ai des passages ici que je ne vais pas citer pour ne pas prendre beaucoup de temps. Oui. Et donc, dans les passages que je ne vais pas citer, le passé n'est plus ressassé, mais la romancière se met à prédire l'homme dont elle tombera probablement amoureuse à l'avenir. C'est ainsi que l'imagination prend le dessus. Et donc, tout en réinventant son passé, Melika, l'héroïne de Mes hommes, imagine le futur et le rêve. C'est sans doute pour mieux redéfinir le présent. En effet, elle appréhende les 3 instants avec lucidité. Elle ne les mélange pas, mais elle les combine. Et donc, c'est par là que se joue le rêve et la réalité. C'est une tentative de franchissement des limites entre réel et fiction. Dès lors, les limites entre le réel et la fiction ne sont plus perceptibles. C'est ce que Bertrand Westphal appelle le brouillage hétérotopique dans son ouvrage sur la géocritique. Ce brouillage hétérotopique donc fonctionne comme connecteur du réel et du fictionnel. L'héroïne tente de construire un nouveau monde en mêlant des éléments du réel à la fiction. Elle se sert de l'espace lointain et du rêve comme outil de fabrication d'un nouvel espace. Elle rend l'espace accessible par le rêve et à l'isole en l'intériorisant. Ouais, pour enfin conclure, oui. Allez-y. Je vais conclure. Alors, la poétique de l'imaginaire des espaces chez Mukdem se traduit notamment à travers la coexistence de 2 immensités dans ces récits, le désert et la mer. Pourtant, ces vastes étendues se revêtent de symboliques différentes et de facettes ambivalentes. Le désert, tantôt espace d'enfermement, tantôt espace échappatoire à travers les rêveries, est souvent superposé à l'intériorité des héroïnes et juxtaposé un espace intérieur parfois intériorisé. L'espace intérieur porte ainsi sur les traumatismes vécus dans l'espace extérieur où la seule échappatoire est la rêverie et l'imagination. L'autre immensité et la mer se présentent comme un expédient, un lieu de guérison et de plénitude. Ainsi, la blessure correspond au désert et la liberté combine avec la mer. C'est de cette dernière que l'ici et l'ailleurs se profile dans le récit comme le corrélat de la consonance de 2 espaces et concourt à la construction de l'imaginaire ou d'un nouveau monde. Ce dernier est inventé ou réinventé à partir d'un fusionnement du réel et du fictionnel, et je vous en remercie. Merci beaucoup. Merci pour votre intervention que nous avons suivie avec beaucoup d'intérêt. Il est question à présent d'une intervention qui pourra pour objet d'étude de l'histoire sur le texte africain postcolonial. L'étude de l'éducation de l'homme et c'est donc Madame Petsuyo-Oria de l'Université de l'Istra qui va nous en parler dans son intervention. Donc, Madame Petsuyo-Oria. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Merci. Bonjour, vous m'entendez? Là, je vous entends mal. Nous, on vous entend très, très bien. Vous m'entendez? Oui, très bien, oui, 5 sur 6. Très bien, merci. Bonjour tout le monde, merci beaucoup de m'avoir accordé cette chance d'intervenir aujourd'hui. Donc, ma communication porte sur le thème « Le roman africain postcolonial à la croisée du réel et du fictif ». Donc, juste un instant, le temps de partager mon écran. Voilà. Donc, ma communication, vous m'entendez?
Très bien. Donc, c'est une lecture analytique des textes d'Ahmadou Kourouma qu'on va essayer de résumer dans l'exposé suivant. Pardon. Donc, faisant de leur plume une arme de combat contre la précipitation de l'Occident sur la totalité de l'Afrique, les romanciers africains ont trouvé dans le réservoir au ras du continent un puissant argument d'écriture, irriguant leur production romanesque. En effet, la résistance physique a toujours besoin d'une politique permettant de lutter contre cette invisibilisation des littératures provenant d'Afrique. Et c'est toujours ainsi le roman à la croisée du mythique, du fictionnel et du symbolique. Toutefois, la décolonisation de l'Afrique laisse apparaître une génération d'écrivains francophones, donc les récits marquent une rupture avec la période précédente. Citant l'exemple de Mongobiti, Samban Ousmane ou Ahmadou Kourouma. Donc, notre lecture s'articule autour de la problématique suivante. Donc, étant donné que la littérature est tributaire de son histoire, il convient donc de se demander, dans ce contexte, qu'est-ce que l'histoire de romancier peut apporter à l'histoire de l'historien ? En quoi l'imaginaire de romancier africain contemporain complète-t-il le travail de l'historien ? La littérature francophone de l'Afrique noire et du Maghreb a souvent entretenu une relation étroite avec son contexte historique, marqué souvent par une instabilité totale, d'où l'émergence de l'expression « littérature engagée ». Dans ce sens, Yael Sklaravo déclare « Les littératures postcoloniales peuvent-elles être autres que politiques ?» La littérature postcoloniale a répondu à une problématique de littérature engagée, principalement au temps des indépendances. Il n'a pas rompu avec une fonction didactique comme a pu le faire le roman occidental. Dans cette même optique, Charles Bonne, Jacques Lecam, Xavier Garnier avancent, l'écrivain est investi au Maghreb comme dans la plupart des aires culturelles des francophones, d'une fonction politique bien plus importante que celle qu'il connaît en Europe. Et ce, à deux niveaux. De fait de la langue qu'il utilise et de fait de sa maîtrise des codes littéraires internationaux. Il est donc une sorte de relais. Donc, ainsi, la problématique de l'engagement littéraire est devenue centrale dans l'œuvre romanesque de beaucoup d'écrivains africains, en l'occurrence Mongobiti, Samban Ousmane ou Ahmadou Kourouma. Les guerres civiles qu'a connues l'Afrique de l'Ouest à partir des années 2000 constituent une forme de paroxysme de barbarie qu'Ahmadou Kourouma est amené à représenter dans ses romans. Écrivain particulièrement engagé, Kourouma s'inscrit dans la dénonciation de la barbarie des guerres et des génocides qu'a subi particulièrement des milliers d'enfants africains, dont l'innocence originelle est totalement bafouée. Après la décolonisation, est conscient que la littérature ethnographique d'hier ne peut pas répondre aux besoins de nouveaux publics ni au nouveau contexte historique, Ahmadou Kourouma s'engage dans la voie de l'écriture nouvelle, répondant aux exigences d'une nouvelle ère de désenchantement. Ayant donné la croix, déclare dans ce sens que les bouleversements politiques des années 60 conduits aux influences venues de France ou d'ailleurs engage partout la création littéraire dans la voie de modernisme. Ahmadou Kourouma s'engage alors dans la voie de la création, l'épanouissement et la diversification des pratiques d'écriture dans l'ensemble de ses romans pour pouvoir représenter le mouvement d'une société nouvelle. Il juge nécessaire de renouveler ses techniques d'écriture et de donner un nouveau souffle au roman africain postcolonial par l'introduction des procédés du roman moderne, capable de répondre aux exigences postcoloniales. Toutefois, s'inscrivant dans le sillage, d'idées, d'une idée qui confirme que le récit n'est plus l'écriture de l'aventure, mais l'aventure d'une écriture, et contrairement à une tradition critique qui considère le roman africain comme le miroir de l'histoire, des réalités sociopolitiques et des cultures africaines, il voit une constellation des thèmes touchant la dictature, la misère, le sous-développement. Certains romans africains visent à montrer que l'histoire qu'on raconte le texte africain
nous enchante de son désenchantement, parce qu'elle est d'abord une œuvre d'imagination, et en ce sens, elle relève de l'imaginaire. Il convient donc d'examiner la valeur du fantastique, des symboles et des métaphores pour évaluer leur contribution à la production de sens de l'histoire. L'œuvre d'Amadou Kourouma, dans ce sens, met certes une réalité cruelle du pays, mais aussi certaines actions imaginaires usant de bestiaires pour à la fois dévoiler son message et en livrer une seule face susceptible de conduire le lecteur à en découvrir la clé, remplissant ainsi la fonction esthétique du roman. Dans cette optique, Mélenchon Dirard avance, l'esprit du roman est un esprit de complexité. Chaque roman dit au lecteur que les choses sont plus compliquées que tu ne penses. Il ne s'agit donc pas d'entreprendre l'écriture d'une histoire en totalité du cours des événements passés et présents, mais d'élaborer un autre récit fictionnel sur la totalité de ces événements. En effet, le roman n'est pas seulement une histoire, c'est également une œuvre référentielle se déclarant en fiction et un univers fabriqué selon des choix rhétoriques qui appartiennent tous au domaine de l'artifice et de la convention. Autrement dit, un genre tiraillé entre deux postures opposées, en l'occurrence réalité et fiction. De ce fait, le roman d'Amadou Kourouma inscrit ses personnages dans des espaces historiques fictionnels et imaginaires éclatés, dans une sorte d'auto-représentation de l'histoire par le romancier. Il ne s'agit donc pas de faire uniquement référence à l'histoire contemporaine postcoloniale et dénoncer les pouvoirs dictatoriaux et les régimes totalitaires en Afrique, mais surtout d'élaborer un récit fictionnel sur l'ensemble de ces événements. Se superposer ainsi dans la plupart de ses œuvres deux dimensions de l'histoire. L'histoire comme histoire-monde, comme action, et l'histoire fictionnelle comme opération dans le sens produite par l'écrivain, traduisant par la force des images et des relations d'images du capital pensé, selon l'expression de Gilles Verdon. Qu'on en lise le roman en attendant le vote des bêtes sauvages, on peut se rendre compte de l'interférence de réel et de l'imaginaire et plus significatif ce travail d'interférence entrepris par le romancier dans « Allah n'est pas obligé » où Amadou Kourouma fait recours à des référents imaginaires mettant en regard le monde diurne et le monde nocturne fait de violence et de cruauté que subit Béarima, un orphelin recueilli par sa tante Mahan qui vit au Libéria, où le héros seront accompagnés de Yacouba, un marabout qui a le malheur d'attirer à chaque fois des catastrophes. En convoquant le régime nocturne de l'imaginaire, Kourouma donne à voir sa descente aux enfers propre au monde paradoxal de la violence anthropologique et initiatique que poursuivent les enfants soldats. En situant son récit à la croisée d'une réalité cruelle et des actions imaginaires, le romancier réalise la triple activité réflexive d'explication, de compréhension et de représentation imaginaire de soi, de l'autre et du monde. Le travail discursif lui permet d'élaborer la conscience historique de l'événement, en élevant la condition historique vécue par ces héros imaginaires porteurs de valeurs. Ici, le roman prend la forme d'un conte, en mêlant dans la mise en intrigue du récit héroïque et merveilleux les épopées guerrières et les expériences initiatiques. En composant ces récits, Amadou Kourouma puis profondément dans sa culture et tradition malinquée et privilégie la cohabitation entre les langues africaines et occidentales, faisant ainsi émerger une écriture qui s'apparente à une oralité. Elle charrie des interférences pour transgresser à la fois les codes normatifs et les frontières grammaticales entre écriture et oralité, mais aussi entre préceptes africains et concepts occidentaux. C'est pourquoi de nombreux critiques visent à présenter Amadou Kourouma comme un écrivain au carrefour de la tradition et de la modernité. Kourouma semble aller très loin dans sa créativité linguistique en s'inspirant de français populaire, notamment d'une forme dérivative du parler ivoirien, en insérant des interférences linguistiques pour mieux traduire les réalités de la crise ivoirienne. L'auteur crée une rupture dans sa démarche scripturaire, mais apporte une innovation au plan esthétique. Sa démarche vise à créer
une césure en introduisant une nouvelle esthétique basée sur l'écriture régulière. En effet, l'usage d'une langue étrangère ne permet pas toujours de traduire de la meilleure façon ce qu'on ressent, ni d'exprimer de manière adéquate ce qu'elle ne connaît pas. Ainsi, l'ensemble de ces usages d'interférence dans l'œuvre d'Amadou Kourouma assure une revalorisation des langues africaines et dans nos textes un enracinement du culturel. De ce fait, les romans d'Amadou Kourouma ont le mérite de dévoiler une esthétique novatrice qui permet de saisir l'ancrage culturel véhiculé par l'insertion des mots étrangers dans le discours du roman. Cela aboutit à un discours intertextuel censé exprimer l'être africain contemporain dans un nouveau contexte. En effet, quelles que soient les tentatives de dépersonnalisation, l'homme noir est un homme qui se souvient. Il y aura donc le retour de l'enfant prodigue. Ce retour se fera par la littérature qui a la vocation d'exprimer les valeurs de la civilisation d'un peuple, je veux dire sa vie. Cette réflexion appuyée sur une méthode analytique des textes d'Amadou Kourouma vise à montrer donc comment le roman africain contemporain exprime l'histoire. Et cette histoire est étonnante par rapport à l'histoire officielle. Évidemment, cette histoire telle qu'elle est exprimée devient secondaire par rapport à l'imaginaire du romancier. Autrement dit, la primauté est accordée principalement à la fiction. Une démarche qui s'inscrit dans une nouvelle lecture analytique par rapport à ce qui est écrit souvent sur le roman africain. L'objectif est de montrer que le roman contribue certes à l'avancement des connaissances historiques, à reconstituer fidèlement un personnage ou un événement historique, donc à atteindre l'histoire, mais d'une manière latérale. C'est donc une invitation à lire le roman africain autrement. Et merci de votre attention. Merci, chère collègue, pour votre excellente exposition sur le rapport de l'histoire, dans l'aspect hybride du roman africain, qui est aussi entre le réel et l'imaginaire. Je vous remercie. Nous retournons à très bientôt pour le public. Politique, nous entrons également à l'écriture algérienne. Je pars de situation parce qu'il est question dans la communication, dont il est question de l'enchantement des étudiants, mais aussi de beaucoup de situation. L'indicateur de la communication Rachid Mimouni. Une terre à vivre. C'est bien porteur de ce sens-là, de l'ONS de Nostradamus, qui va nous en parler dans sa communication. Je ne sais pas si. Il y a un problème de son, je crois. C'est bon. Vous entendez. C'est bon, vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien, madame. Oui, bonjour tout le monde. Donc, je remercie d'abord les responsables et les organisateurs du colloque pour leur travail très professionnel. Je vous remercie aussi de m'avoir accordé cette chance d'être aujourd'hui parmi vous pour vous présenter une communication donc sans tarder qui s'intitule « L'écriture du désenchantement ou le mal du siècle dans le roman Une paix à vivre » de Rachid Mimouni, édition Enal en 2007. Si vous voulez, je peux partager mon PowerPoint, mais il n'est pas tellement… Oui, très bien. Est-ce qu'il a été partagé? Dites-moi, je clique sur partager, c'est ça? Très bien. Voilà, donc voici le résumé. Alors, ce
que je vais lire, c'est autre que ce qui est écrit sur le PowerPoint. Hein. Donc, non, le roman relate le portrait, le portrait saisissant d'un jeune normalien décidé à construire donc, dans son roman Une paix à vivre, édition Enal 1985, Rachid Memoni dresse le portrait saisissant d'un jeune normalien décidé à construire son avenir dans l'Algérie de l'après-guerre, sombre totalement dans la dépression après avoir découvert sa maladie, donc en l'occurrence la leucémie. L'histoire de Jabré est celle d'un traumatisé de guerre qui erre dans les rues suite au bombardement de son village et à la perte de tous les membres de sa famille, comme l'attestent les déclarations du médecin du village. On me conta, je souligne bien le verbe, on me conta l'histoire du jeune fou du village. Il avait perdu la raison et ses parents au cours d'un bombardement de son douar. Après s'être réfugié dans les montagnes pendant quelques jours, le garçon descendit vers le village dont il se mit à hanter, et le mot hanter les rues jour et nuit, le jour comme la nuit. L'enfant victime est témoin d'une mort ensauvagée. Je souligne le mot et j'assume le mot ensauvagée. Choisit de se réfugier dans les montagnes avant d'être récupéré par le médecin du village qui décide de lui venir en aide, de le soigner, l'instruire et pour rattraper le temps qu'il a perdu, il l'inscrit à l'école normale, je cite, pour qu'il poursuive sa scolarité. Je cite, le choc qu'il avait reçu à la tête et qui avait provoqué un traumatisme crânien m'inquiéta beaucoup, mais les examens radiographiques ne révèlent aucune lésion. Pris en main par mes collègues médecins et moi-même, il fit de rapides progrès et son rétablissement presque complet fut obtenu au bout de quelques mois seulement. Je le voyais quotidiennement, il m'étonnait chaque jour par la vivacité de son intelligence, la naïve lucidité de ses réponses, la saine clarté de son jugement. Les habitants du village accueillirent avec beaucoup de tact et de délicatesse ce garçon à la raison retrouvée. Je cherchais le moyen de le distraire et de l'occuper. Quand le voyant dévoré de ses yeux mes revues étalées sur la table, j'eus l'idée de lui faire rattraper les années d'études qu'il avait perdues. Il fit d'étonnants progrès, mais après quelques mois de solitude, sa solitude lui pesa de nouveau. Ce fut alors que je compris que sa guérison définitive passait par un changement radical de son mode de vie. Il devait aller dans un endroit où personne ne connaît son histoire. Ce fut alors que j'appris décidément que vous étiez devenu directeur de l'école normale et j'ai sauté sur l'occasion. En sombrant dans la folie, appelons les choses si vous voulez autrement, ce n'est pas de la folie, parce qu'ici il ne s'agit pas de folie, il s'agit de l'aliénation de l'être, on le verra. L'imaginaire de Memoni ne fait entrer de plein pied dans le jeu de l'existence tout en assumant la loi de la finitude de la vie. À vrai dire, l'auteur tente de déjouer la mort, il rend la vie à tous ceux que la mort a oblitérés. Ainsi, le rétablissement de l'orphelin victime lui octroie non pas le droit à la vie ou une autre vie, mais lui octroie le droit à une mort beaucoup plus honorable, beaucoup plus digne que celle des siens. Cependant, bien que sa vie à la fin du roman s'achève sans gloire, il reste optimiste à l'idée de rejoindre sa famille et de se délivrer de la douleur de leur perte, en ce sens que la mort qui l'attend est une mort apprivoisée, voire fantasmée. Je cite, pour la première fois, il pensa concrètement à sa mort prochaine. Il vit sa tombe creusée, puis il imagina les mains respectueuses et attentives qui le placeraient dans sa dernière demeure, où après tant de souffrances et de drames, il pourra enfin goûter la sérénité d'un repos définitif. Ses pensées ne lui inspirent aucune tristesse. Alors, pour la première fois, là, la mort n'inspire aucune tristesse. Il fut même content, et je souligne le mot, à l'idée d'aller rejoindre au sein de la terre ses parents et ses quatre sœurs. Le mourant, c'est à vrai dire, le mourant, il se remémore ces choses-là à la fin du roman et non pas au début. Le mourant, attendant sa mort prochaine, une mort qui est acceptée puisqu'elle est censée le délivrer, se remémore les personnes et les choses qu'il a tant aimées et affectionnées. En évoquant les images les plus essentielles de la vie ou les souvenirs les plus importants de sa vie. Je cite, « Il se souvint de son départ à l'école. À l'évocation de ces images, Jabri sentit un brusque afflux de sang vers son cœur. Ali ou Jabri se livre et se délivre de son enfance malheureuse et non pas heureuse. Sa première journée de classe, ses impressions de l'école, sur l'école, ses camarades, mais il est très vite rattrapé par le cauchemar des bombardements. Je cite, c'est un enfant qui parle. Il reçut un choc sur la tête et m'évanouit. Quand je me réveillais, je vis le doigt transformé en champ de ruines, partout des morts étendus. Puis,
pour ne plus voir, je me suis enfui et réfugié dans la montagne. Donc, c'est lui qui témoigne du traumatisme qu'il a vécu. Ces souvenirs permettent de remonter au début du récit, où le narrateur personnage, entreprend de narrer sa propre histoire, un procédé destiné sans aucun doute à ménager les effets dramatiques durant lequel le narrateur s'attache à reconstituer des sujets brisés et opprimés à l'intérieur de son école et génère un type d'individu héritier d'une époque. C'est ainsi que défile sous nos yeux la chronique des années qui ont suivi l'indépendance de l'Algérie à travers sa vie, à travers l'école normale, à l'école normale. Le narrateur omniscient relate donc et sans pudeur l'univers chaotique des jeunes normaliens ainsi que celui de leurs professeurs. En effet, les adolescents curieux tentent de percer le mystère de chaque enseignant. Alors, on va commencer. Le prof de maths les intrigue, je cite, comment il les intrigue, par son comportement. Le narrateur cite, ce bonhomme ou ce jeune homme vivait seul et montrait à l'écart de ses semblables une rancune tenace et injustifiée. Après minutieuses investigations, les élèves, qu'est-ce qu'ils découvrent? Ils découvrent que leur professeur est rongé par les remords d'un drame familial dont il est seul capable, fréquente les disciples de Abu Nouès. Et ce n'est pas moi qui choisis cette métaphore, c'est Mimouni qui l'a choisi. Swam, prof de français, prof de philosophie, une Française pied noir à l'école normale, professeur de philosophie, donc stricte et rigoureuse, lors d'une excursion, est interpellé par un inconnu appelé Jean, qui a épousé la cause algérienne. Elle décide de lui venir en aide. La vieille fille du colonel de gendarmerie assassiné par les soldats allemands prend part à l'univers de la lutte de clandestinité et de patriotisme de son compagnon. Malheureusement, l'individu se fait prendre et la dénonce, et c'est ainsi qu'elle sera arrêtée et découvre les horreurs de la torture. Le professeur d'histoire Bralimi, soupçonné d'être juif, choisit de se confesser à ses élèves en plein milieu d'un cours d'histoire sur la Deuxième Guerre mondiale en déclarant « Oui, ce qu'on ne cesse de murmurer tout bas est vrai. Est-ce une tare? Je suis un juif algérien. Je me sens aussi algérien que n'importe lequel d'entre vous. Je suis né sur le rocher de Constantine en ce temps-là, mais je vivais le poids d'une stupide équivoque. Ni européen, ni arabe. Jeté par les deux camps. Je ne pouvais même pas réclamer mon algérianité, niée par les uns, revendiquée par les autres, mais officiellement inexistante. » L'imaginaire de Mimouni reconstruit l'identité algérienne dans sa multiplicité et tout ce qu'elle a omis, le déni, l'aliénation de l'être, est clairement perceptible dans le vécu des enseignants, dans leur façon d'être et plus particulièrement dans la reconfiguration de la figure du surveillant général, fils d'un paysan qui a eu le malheur d'avoir de bonnes intentions à l'égard d'une jeune bourgeoise. Donc, celle-ci, naturellement, préfère se marier avec une haute personnalité de la ville. Et pour expliquer ce geste, le narrateur puise dans le réservoir culturel et stéréotype de notre pays en déclarant « Jamais elle ne consentira à s'allier à l'armiche avec un larmiche, un fils de rien. » Et soulignons le mot « rien » parce que c'est lui qui renvoie à l'aliénité de l'existence. Ainsi, chaque normalien constitue un spécimen type qui représente la société de demain. Le lecteur suit le cheminement et le développement personnel d'un jeune homme sur l'arrière-fond d'une période importante de l'histoire algérienne, soit, je cite, un imaginaire homologue à celui d'un grand roman de désillusion de la littérature française, tout le monde le connaît, c'est l'éducation sentimentale. En effet, dans l'éducation sentimentale, on retrouve à peu près le même personnage. On a Frédéric Moreau, qui est un jeune qui monte à Paris pour faire ses études, se heurte à la période historique pré- et post-révolutionnaire de 1848 qui déclenche chez lui une désillusion totale. Parallèlement à l'univers fictif de l'école normale, qui n'est qu'un prétexte pour l'auteur, pour Mimouni, pour résumer une période historique très significative pour les Algériens, dont les multiples intérêts sont ailleurs, l'imaginaire mimounien nous transporte et nous engloutit dans la violence et l'horreur de l'administration coloniale à travers le malaise d'un docteur du village. Je cite, « Je vous avoue que c'est pour moi une triste aberration de voir ceux qui autrefois gémissaient sous la fêlure des nazis se retrouvent aujourd'hui bottés et casqués en train de torturer des Algériens. » L'auteur réélabore un monde romanesque purement virtuel, proche du roman classique,
mais il l'édifie principalement sur la vacuité. L'angoisse demeure le registre dominant, celui qui marque par de son empreinte l'univers de la fiction. Les thèmes qui y sont abordés sont la mort, la violence, l'aliénation, la recherche de soi, mais surtout une société qui cherche et qui se cherche entre archaïsme et modernité. Le principal protagoniste en quête de repères se cherche au milieu de joyeux lascars, et c'est lui qui qualifie les jeunes gens de l'école normale de joyeux lascars. Il n'a qu'un seul but, c'est travailler et réussir. Cependant, il n'arrive pas à se défaire de son passé tragique. Il dit « Je me souviens, l'avion est apparu de nouveau accompagné de deux autres engins et bientôt un déluge s'abattit sur le Douar ». La présence de Fadela avec Jabri incite l'infirmière de Jabri, incite Jabri à la confidence. En effet, c'est à elle seule qu'il ose se livrer et lui dit tu ne sais pas dans quel enfer j'ai longtemps vécu. Je reviens de loin et je marche à pas prudents de crainte de trébucher de nouveau. » Le choix d'un personnage fragile permet au narrateur, ou permet à Mimouni aussi, de disséminer son discours idéologique à l'intérieur de la fiction. Ainsi, Jabri donne l'impression qu'il ne parvient pas à s'adapter à sa nouvelle vie, au milieu de ses camarades, préfère se tenir à l'écart et céder la parole, préfère se tenir à l'écart et rester seul. En effet, peu bavard, l'enfant ou l'adolescent peu bavard, il se contente simplement de céder la parole aux autres personnages afin qu'ils puissent raconter eux aussi, un à un, leur malheur et leurs convictions idéologiques. Le silence principal protagoniste est générateur de souffrance. Une mémoire sensorielle tente de se reconstituer ou reconstituer un trauma vécu. Et c'est dans ces moments de solitude qu'il se met à repenser à ce qu'il a vécu, tout en évaluant l'homme et sa valeur d'être. Les vertiges et le malaise de Jabri, mais bien aussi les vertiges du docteur, son engourdissement, sa solitude, sa tristesse, tout comme sa sidération, sont autant de signes qui traduisent une écriture marquée par la langueur d'un cœur triste. Et là, soulignant la langueur d'un cœur triste, ça renvoie à Verlaine. Je ne sais pas si Mimouni renvoie à Verlaine par son écriture de tristesse ou pas. Cependant, l'histoire narrée n'est pas uniquement celle de Jabri, c'est aussi celle d'un groupe d'adolescents issus de différents milieux sociaux, d'une Algérie fraîchement indépendante, ainsi que de leurs enseignants, dont le récit énigmatique de chacun exprime avec lucidité leur pessimisme, leur impuissance face à leur marginalité et leur exclusion sociale. Pour conclure, nous dirons que l'imaginaire de Mimouni s'approprie des moments clés de l'histoire pour les transformer en un lieu de possible et s'affranchir du poids du passé. Ces procédés d'écriture s'apparentent aux caractéristiques de l'écriture postmoderne. En effet, nous retrouvons le silence et l'angoisse qui déconstruisent la trame narrative. Le collage de morceaux ou de brides de vie est utilisé pour raccommoder des vies dévastées par la violence. La polyphonie, elle est utilisée pour narrer une tragédie sociale et non pas personnelle. Le pastiche ici, on l'utilise, c'est-à-dire je l'utilise personnellement avec modération parce que je pense qu'il a pastiché les grandes œuvres de la littérature française en illusion, donc les œuvres de désillusion. En fait, l'imaginaire d'une paix à vivre, et c'est ça qui est important, relate le récit d'une enfance brisée, d'une jeunesse opprimée. Il redéfinit le temps de notre existence, ou notre temps, si vous voulez, dans le royaume de l'enfance, en l'occurrence celui de Jabri enfant, comme l'a déjà fait le grec poète et joueur Héraclite, qui dit, je cite, « Le temps est un enfant qui joue en déplaçant les pions. » Alors, ça veut dire quoi? Dans ces fragments-là, qui ont fait dernièrement donc, beaucoup un colloque international, c'est-à-dire que ici, l'aïon, si vous voulez, en grec, le temps, c'est l'aïon en grec, qui renvoie à notre existence. Qu'est-ce qu'ils ont, ils essayent de redevenir notre existence? Qu'est-ce que notre existence? Qu'est-ce que notre vie? Si ce n'est une suite, c'est-à-dire de jeu ou d'un jeu d'enfant, c'est-à-dire d'un jeu de pion. Cependant, si chez Héraclite, le jeu instaure un équilibre temporaire, chez Mimouni, c'est la mort qui le fait. En effet, le jeu avec les pions, chez l'enfant, lorsqu'il joue avec les pions, ça ne finit pas. Donc, le jeu avec la mort, chez Mimouni, ça ne finit pas aussi. C'est un jeu qui ne finit pas et ne finira jamais. Merci. Merci, cher docteur. Merci à vous. Pour votre intervention, que nous avons suivi avec énormément d'intérêt,
Je l'ai dit tout à l'heure à une collègue, le site de votre communication était très prometteur et le contenu m'a fait penser. Nous honorons cette dernière étape. Donc, nous allons voir cette dernière intervention. Elle va être centrée sur un grand texte d'anticipation, en l'occurrence 2084 de Juan Al-Sassan, et sur la théorie des mondes possibles chez ce dernier. Et c'est bien Mme Abdel Ilham qui va nous en parler dans une communication par intitulée 2084 de Juan Al-Sassan entre imaginaire, réalité et monde possible. Je vous en prie maintenant. C'est à vous. Je vous demande de réactiver le micro parce qu'on ne vous entend pas. Oui, là, c'est sûr. Bonjour, bonjour à tous. Je suis très heureuse de pouvoir participer à ce colloque qui met la lumière sur les différentes facettes de l'imaginaire et des différents chemins de son analyse. Est-ce que vous m'entendez pour confirmer une dernière fois? Très bien. Donc, le temps que je partage mon écran. Vous le voyez? Donc, sans plus tarder, mon intervention s'intitule 2084 de Boualem Sinsal entre fiction, réalité et monde possible. Cette communication renvoie à la problématique de Françoise Lavoca et son concept de monde possible et dystopique. Il s'agit de lire, comprendre et interpréter ce monde possible imaginé par le romancier algérien Boualem Sinsal à travers son roman 2084. Ou la fin du monde. J'arrive pas à faire. Et... Donc, 2084 est en fait une réécriture du célébrissime roman de George Orwell, 1984. Si l'écrivain britannique, lui, a mis la lumière et s'est méfié de l'essor de la technologie et son utilisation au service de la surveillance, Boualem Sinsal, quant à lui, a créé une autre fiction, ou plutôt une transfiction, où il imagine le monde futur 2084. En 2084, dominé totalement par un système religieux monothéiste et fanatique qu'il a appelé la juste fraternité, dans un espace qu'il a inventé, qu'il a appelé l'Abyssan. Mêlant la fable, l'étrange et le fantastique, et c'est ce qui caractérise toute l'œuvre de Boualem Sinsal, le lecteur empirique se trouve perplexe il se trouve dans une perplexité quasi totale devant un monde qu'il ne comprend pas. Est-ce qu'il est réel? Est-ce qu'il s'inspire de la réalité? Donc, tout lecteur averti pourra vite inférer du sens à cette fable cauchemardesque et l'interpréter pour y voir que 2084 est une parabole qui veut signifier un futur apocalyptique et dystopique. La vision de Sinsal, comme celle de nombreux observateurs, reste une vision pessimiste du monde à venir, si on ne fait rien. Un monde hypothétique qu'il imagine, mais qui reste très possible et logiquement possible. 2084, ou la fin du monde, signifie aussi au niveau symbolique la frontière entre le bien
et le mal, une frontière qui hante le héros Hati du début jusqu'à la fin du récit. Cette philosophie, on l'a vu avec Nietzsche dans son ouvrage « Par-dessus le mal et le bien » où il fait une critique de la morale religieuse qui transforme les gens en moutons de panurge, sans réflexion et sans imaginaire. C'est ce que veut signifier aussi le romancier algérien à travers sa fiction de 1084. C'est un roman qui frise l'extraordinaire. Le romancier décrit un univers imaginaire mais réaliste, celui d'un monde totalitaire abouti à la manière et dans la lignée du roman marquant 1984 de George Orwell, quant à sa vision du monde déshumanisé où l'individu n'est plus qu'un rouage de la société dystopique. Le romancier est parti de la réalité du monde actuel, de son vécu, de certains dystopes tels que les radicaux islamistes, etc., qui sèment la terreur dans le monde. C'est donc à partir de ces signes avant-coureurs de la folie et de la déconscience des hommes que l'écrivain Bolin Sosal a échafaudé cette fiction qui poisonne d'éléments mystérieux, non-dits, dénonciations implicites et de codes inédits. Donc, notre problématique s'articule autour de cette question. Dans quelle mesure peut-on considérer le monde créé et imaginé par Boulam Sansal dans son roman 2084 ou La fin du monde comme étant un monde possible, selon Françoise Lavocat, comme aimerait l'appeler Françoise Lavocat, et pour ensuite interpréter le dépassement de cette transcendance du réel, non pas vers la fiction au sens classique du terme, mais vers ce que Françoise Lavocat appelle encore une fois le monde possible. Donc, Boulam Sansal, à travers son roman en question, imagine un monde si ce dernier était dirigé par un système totalitaire religieux, proposant ainsi au lecteur un récit d'anticipation comme une mise en garde contre le monde de l'extrémisme religieux. L'histoire qu'il va imaginer se situe en 2084, une date qui lui-même n'est pas très distante dans le temps et qui peut donc faire partie d'un univers hypothétique, mais très possible. Le système totalitaire qu'il a imaginé et religieux est un système totalitaire qui s'inspire des islamistes radicaux dans notre monde arabe. L'auteur va figurer cela par la religion d'Abi qui, pour assurer sa pérennité, va imposer une langue appelée l'abulangue qui ne se compose que de quelques mots et quelques noms étriqués et rétrécis. C'est ce que font les régimes militaires et totalitaires dans la réalité actuelle et dans l'histoire contemporaine. En fait, c'est à partir et au moyen de ce code linguistique étriqué et tronqué que l'appareil contrôle les esprits et bloque à jamais le rêve et l'imaginaire des habitants. Sans la langue, selon le romancier, l'individu ne peut pas nommer les choses, ne peut pas donner du sens au langage et donc ne pourra pas penser. Cette observation sur l'absence du langage peut aussi se vérifier scientifiquement, car selon les psycholinguistes, les neurolinguistes et les linguistes tels que Noam Chomsky, la pensée fait le langage, mais à son tour, le langage fait la pensée, ce qui fera dire à Tatiana Salma, une pensée claire entraîne facilement une expression adéquate, mais pour penser clairement, on a justement besoin du langage. Ce sont aussi des réalités scientifiques qui ont inspiré le romancier dans 2084. Donc, nous avons parlé du réel, nous avons abordé la première partie qui s'intitule « Du réel à la fiction », mais aussi « Du réel dans la fiction ». Notre deuxième partie s'intitule « 2084
84, la fin du monde, qu'on considère comme un mode possible. Donc, du monde possible, Françoise Lavocat explique la mise en scène d'une catastrophe afin d'en mesurer toute la conséquence éventuelle ne diffère pas beaucoup dans son principe des récits contrefactuels de nombre de romans contemporains comme ceux qui décrivent notre monde. Si Hitler, par exemple, avait gagné la guerre, si l'on accepte provisoirement comme définition minimale de monde possible, celle d'alternative crédible du monde, réel. Selon Anne, possible ne sont ni une fiction dans le sens classique du terme, ni un monde alternatif, ni un monde parallèle, mais c'est une catégorie qui se situe entre les fictions d'une part et entre la fiction et le monde réel d'autre part. Anne Dupart établit la différence entre les mondes possibles et les mondes fictionnels qui ne sont pas des hypothèses parce qu'ils ne sont pas des ramifications d'un monde de référence qui serait le monde actuel. Ainsi, nous pensons que 2084 n'est pas une fiction mimétique au sens récurrent du mot. Elle transcende le vraisemblable pour aller vers l'invraisemblable. Ce monde créé par l'imaginaire de Sensal est un monde hypothétique et construit pour signifier autrement le réel. Le narrateur va donc faire un détour extraordinaire en passant outre la fiction habituelle et à atteindre ainsi la science-fiction au sens du monde possible. Ce grand détour opéré par l'auteur de 2084 pour dépasser la simple fiction est appelé par Françoise Lavocat, dans sa classification des fictions, la transfiction. Nous estimons que 2084 fait partie de ce genre et contient tous les procédés transfictionnels que l'on peut résumer en quelques notions pertinentes, la fiction comme contre-vérité, la fiction comme construction conceptuelle, la fiction comme monde sémantique et la fiction comme état mental. Pour ce qui est de la fiction comme contre-vérité, c'est-à-dire contre-factuelle ou mensongère, 2084 se laisse lire dans une perspective de monde légendaire, mais aussi de monde possible et dystopique, donc il n'a rien à voir avec... ce n'est pas un monde tout à fait mensonger. Dans une interview à la télévision française, 2084 est selon l'auteur lui-même une date qui ne se situe pas dans la science-fiction, l'an 4000 par exemple, mais dans un futur proche où il a imaginé la planète dominée par un système religieux totalitaire et impitoyable. Pour ce qui est de la fiction comme construction conceptuelle, dans ce sens, il faut comprendre par construction conceptuelle la construction du récit dans sa dimension macro-textuelle, thématique et discursive. Il s'agit d'un véritable montage ou façonnage, mis au point par le romancier. 2084 est un exemple de cette construction où l'auteur Bolem Sensal a réalisé tout un monde, toute une légende pour signifier le totalitarisme religieux, en l'occurrence l'islamisme radical symbolisé par un appareil inquisitoriel puissant et inébranlable appelé l'appareil. Pour ce qui est de la fiction comme monde sémantique, ce point est très important. Il s'agit d'établir le lien entre le réel et la fiction. En d'autres termes, le récit 2084, qui est une légende extraordinaire, avec des événements, des personnages et des lieux invraisemblables, est une projection de la réalité actuelle sur le futur.
C'est donc un monde possible car il a pour source les prémices du monde actuel avec toutes les aberrations, haine, guerre, fanatisme politique, etc. De son côté, Thomas Pavel introduit la notion de possibilité qui rejoint selon le théoricien celle de vraisemblance. Le lecteur évalue la fausseté et la vérité d'une œuvre littéraire de possibilité. La fiction comme état mental, enfin, et le terme fiction peut s'appliquer à l'état mental particulier vécu par le lecteur qui peut vivre intérieurement et intensément les faits ou le récit. Cette fois, c'est plutôt la psychologie cognitive qui est pertinente pour rendre compte du fait vécu fictionnel. Cette fiction mentale chez le lecteur est appelée par les théoriciens de l'immersion fictionnelle. Je vous demanderai un peu rapidement. D'accord, je vais conclure sur... Je vais finir sur ça. En effet, pour l'écrivain comme pour le lecteur ou les critiques littéraires, ce monde possible construit n'est pas une hypothèse, mais une hypothèse issue de l'imaginaire de l'écrivain et de la littérature en soi, parce que même les physiciens et les astrophysiciens ont aussi imaginé des mondes possibles à travers des effets actuels. Donc, je vous laisse lire la citation et je vais finir sur ça. Pour toutes ces raisons, l'espace et les personnages, le lexique et même le discours dans sa totalité qui apparaissent dans le roman 2084 n'ont pas de commune mesure avec la réalité. On ne peut donc pas établir ce va-et-vient entre le texte et le hors-texte, mais interroger le texte légendaire lui-même dans sa matérialité, ce qui nous permettra de reproduire et de construire du sens. La biographie de l'auteur, la réalité, les interviews seront consultées qu'après pour vérifier simplement nos propos. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que je ne sais pas. Merci, madame, pour votre intervention que nous avons suivie avec beaucoup d'intérêt. Vous avez éclairé quant à cette théorie des mondes. Donc, je pense qu'on a terminé toutes les interventions. Après avoir donné la parole au collègue de bas, je me permets de dire que toutes les thématiques que nous avons eu le plaisir de suivre depuis tout à l'heure ont été aussi bien intéressantes que variées, très variées. Chaque œuvre a été analysée, étudiée sous un angle bien particulier, intéressant, mais différent, foncièrement différent de ceux des autres mouvements. En tout cas, pour dire à quel point cette littérature postcoloniale nous sert de nous étonner, de nous inspirer, de nous interpeller par les multiples perceptions qu'elle peut susciter. Donc, à rappel de cette session qui a été stérile, je pense que moi, je voudrais poser une question à madame sur l'imaginaire de l'espace. Madame, vous êtes avec nous. Et la différence. C'est une question, nous avons une question adressée à madame Zouak, que je dis là. D'ailleurs, oui. Vous nous entendez? Vous entendez, madame Zouak? Oui. Je pense que vous pouvez mettre la question. Je voudrais seulement poser une question par rapport à la scène du désert et de la mer, ou bien par rapport à l'imaginaire de l'espace. Quand elle a posé mer et désert,
elle a dit que le Malika Mokadem disait qu'elle se sentait enfermée, que le leader c'était l'enfermement et en même temps l'inferno. C'était infernal pour lui. Alors que la mère cicatrisait ses mots et ça représentait, elle représente la liberté pour elle. Alors, juste avant, elle parlait des élèves et elle disait que le stade était un espace d'élévation en moyenne. Là, je voudrais dire que ce n'est pas une différenciation de l'imaginaire de l'espace par rapport aux représentations sociales et représentations naturelles du paysage, parce que le désert a toujours représenté en littérature la liberté, l'évasion. Si par exemple je cite l'exemple des Bérards, Isabelle et Bérard s'étaient fascinés par le désert au point d'en être façonnés. Et c'est là où elle s'est retrouvée, c'est là où elle a trouvé sa liberté sans rechercher à le voir. Et là, je voudrais seulement que vous m'expliquiez d'une représentation sociale de l'espace, cet enfermement par rapport au désert. Parce que c'est vrai que dans la société, où a été la société d'Afghanistan, qui représente le désert, c'est partie de l'enfermement de la femme. D'un petit manque de liberté où elle ne s'émancipe pas. C'est pour ça que la Méditerranée, loin de la Méditerranée, elle a cette liberté. Il ne s'agit pas ici d'une représentation sociale, mais plutôt qu'une symbolique de l'espace. Ça marche, vous m'entendez? Ça marche? Très bien. Je ne vous ai pas malheureusement bien entendu. Il y avait comme ça des passages avec la connexion et tout. Mais je vais essayer quand même de répondre. Oui, je crois qu'il y a ici une double perception de ces deux espaces. Certes, la fascination, l'émerveillement du désert, elle est là chez Malika Mokhdem, notamment chez les héroïnes étant petites. Ça représente la fugue, ça représente un espace où elles peuvent se réfugier pour seulement, si je puis dire, fuir le carcan familial, la maison. Ensuite, évidemment, d'autre part, il y a une autre perception qui est cette représentation sociale, parce que oui, c'est le désert et il y a un enfermement. La symbolique ici réside où ? Elle réside là où l'écrivaine associe l'étouffement, les chaleurs, les canicules du désert à cet enfermement-là causé, bien sûr, par les traditions. Après, oui, la mer également représente largement un espace de libération parce qu'en général, chez Malika Mokhdem, toutes ces héroïnes trouvent et, si je puis dire, retrouvent l'amour, notamment dans la Méditerranée. J'espère que j'ai pu répondre à votre question, madame. Oui, bien sûr. Merci madame. Merci beaucoup. Je remercie tous les communicants. Nous allons devoir clôturer cette session. Je vous remercie tous et au plaisir d'échanger avec vous dans d'autres occasions.